Amen. Gloire à Dieu. La chanté numéro 151 français, François d'Espérance, qui sera préférable à faire pour nous la lecture dans Psaume 111. Je vais vivre, j'ai
louer l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. On nous fait lecture du 10e verset ensemble. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Lecture de la parole de Dieu pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Donc, Achida. On a chanté ensemble, juste avant la prière, on a chanté numéro 307, la chante d'espérance française, et à l'assurance, je suis sauvé, et à l'avant-goût du ciel m'est donné, et de l'esprit baptisé de feu, créé de nouveau, j'ai vu pour Dieu.
dans le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, humblement nous prosternons devant ta face bénie. Tandis que nous connaissons nous-mêmes au milieu de nous, parce que c'est nous-mêmes qui dit nous. Les nous pas approcher pour côté, c'est pour nous mettre nous dans la condition pour que rien ne va empêcher que vous répondez à nos prières. Seigneur, nous voulons demander au pardon pour nos péchés, pardon pour nos fautes commises. Parce que si jamais on t'a tenu compte de toute bagaille mal que nous fait, nous pas capable de présenter les vents. Mais grâce soit en Dieu à ton nom, nous gagnons auprès de vous-même Père, ton Fils Jésus, qui chita à ta droite, qui a intercédé pour nous. Et c'est dans la façon ça que nous dit. Nous dans la joie, parce que nous connaissons, nous avons accès pour nous parler ensemble avec nous. Papa, nous voulons dire merci. Merci pour tout bienfait que vous avez envers nous. Merci pour grâce que vous faites à l'église Baptiste Philadelphie. Merci d'être que vous toujours à l'œuvre. Ta main puissante. Toujours sur nous et nous capables de crier Bénézer parce que c'est vous-même qui dit nos paroles ou bâtit l'église et pas rien qui est capable d'aller à l'encontre de lui-même. Seigneur, merci pour nos frères et sœurs. Merci pour cette relation intime. Merci d'être que au milieu de nous. Et ça fait la joie nous. Et pour présenter à vous-même, Seigneur, tous les membres de l'Église Baptiste Philadelphie. Nous demandons, s'il vous plaît, comme nous t'avons toujours demandé, que vous soyez capables de marrer nous ensemble. Pour que, Seigneur, nous camper d'un côté, nous soyons capables de voir dans nous-mêmes que nous sommes tes serviteurs et tes servantes. Merci pour la communion. Merci pour cette franche collaboration. Et moi, je vous demande, s'il vous plaît, qu'aimez-nous comme ça, jusqu'au grand retour de ton fils Jésus pour enlever l'église. Seigneur, matin, nous t'en des requêtes, serviteurs, dans la personne de Frère Gamoua. Seigneur, les gens dans nous enduré des difficultés, ça touche nous. Et matin, que lui bouleverser. Si jamais il y a demandé pour nous intercéder pour le frère Camille, c'est par son raison que lui connaît qu'on a pris pour une prière. Seigneur, ensemble, l'Église, nous présente à nous-mêmes ce serviteur. Nous demandons qu'on y a même. Capable de passer à l'action et ou capable, Seigneur, délivrer la famille. Le frère Calix, vous connaissez, Seigneur, parmi tout ça qui a fait de mal dans le pays, ça, n'y aurait-il pas même un juste qui a prié ou que vous-même vous êtes capable d'entendre les quatre prières et que avec ça vous êtes capable de changer la situation? Ou bien oui. Oui. Qui est-ce que vous avez prié en esprit en vérité? Et vous tendez. Et si jamais Seigneur pour qu'on délivre Haïti de dilemme que les trouvez là-dedans, moi sûr et certain, vous avez une raison pour ça. Vous tendez ça y est des étrangers qui allaient capter des pays. Et ça y est, vous tendez des jeunes. Qui a molesté des mouns qu'on y a qui a vendu à l'enchère. Seigneur, quand des bagages ça y est sorti, les nous garder nous-mêmes à prier, nous merci de ce qu'on mettait nous ici aux États-Unis. Mais nous
demande, s'il vous plaît, dis un mot pour le pays. Nous avons nos amis, nous avons des frères, nous avons des sœurs dans la chair, nous avons nos mères, nos pères qui vivent dans le pays. Mais même là, nous ne pouvons pas avoir un monde comme ça. Mais Seigneur, les Haïtiens, c'est frère nous, c'est sœur nous. Demande, s'il vous plaît, allez dans le moment ça. Dis un mot pour le pays. Quelques fois nous aider, nous poser tête nos questions. Est-ce qu'on aimait nous passer? Parce que là, nous garder nous sommes sous terre. Mais Seigneur, vous passez avec nous dans l'espace et vous mettez nous ici. Des crimes ici, c'est vrai. Mais nous sommes capables de rendre compte. Il n'y a pas même gens. Je l'ai fait la carrière. Seigneur, dis-moi pour Haïti. Que des frères, des serviteurs qui ont servi mon esprit en vérité. Dis-moi. Seigneur, pays à nos mains. Nous ne pouvons pas ça pour nous dire encore. Dis-moi pour Haïti. Délivrance pour Haïti. Pays a perdu toute ses volies. Saillons, Seigneur, qui des têtes pensantes. Ils ont trouvé dans des terres étrangères. On m'a donné soufflé, gardez pays. Un pays qui est riche. Qui est riche. Parce que l'argent qu'il a demandé pour le monde. Et avec ça, Seigneur, il fait ça. Nous, ça. Il vient trouver le pays sans qu'il n'y ait pas envie pour vivre encore. Parce que dès qu'il est tombé sur l'île, par contre, comment il va le payer pour prendre l'argent ça. Seigneur, pays à nos mains. Pays à nos mains. Dis-moi pour Haïti. Et chaque fois nous-mêmes nous trouvons nous ici, aidez-nous pour nous vivre. Je commande nous pour nous vivre. Et comme ça, nous sommes capables toujours rendre gloire à ton Seigneur. Seigneur, l'église Philadelphie dans mer. Je voulais prier au matin spécialement pour la soeur Jean-Jean. Et si par hasard son mari ensemble avec nous, nous sommes capables ensemble avec eux. Je vous remercie pour petit Dieu à Fia, pour permettre Seigneur, en dépit de tout, qui trouvait ici dans le moment, au compte pour qui raison, je vous demande, s'il vous plaît, qu'on soit capable ensemble avec vous, et faire comprendre Seigneur, tout va bien, parce que vous-même vous contrôlez la situation. Je vous prie au matin, Seigneur, pour Jonathan, je vous demande, s'il vous plaît, qu'on soit capable ensemble avec lui. Connais les raisons pour lesquelles que nous mentionnons son nom. Seigneur, dans nouveau travail, demandons qu'on soit capable ensemble avec lui. Je prie au Seigneur pour officier Roy. Seigneur, demandons s'il vous plaît qu'on soit capable de garder vous, qu'on soit capable de protéger vous. C'est vrai, nous sortons dans le moment ça, nous avons des jeunes qui ont livré vous dans le job enforcement. Mando souple, préserve. Et pour ça, il est capable de servir le pays. Il est capable d'utiliser la patrie. Et il est capable de faire bien pour le monde que vous rencontrez. Et pour ça, Seigneur, même le monde que vous avez contacté, est capable de rendre compte dans vous-même que c'est des chrétiens que vous êtes. L'église a nommé, oui. Nous merci, oui. Sous pas là, nous ne pouvons pas vivre pour ça, non? Nous connaissons fait pour Philadelphie, oui. Et Seigneur, nous disons, bénis-nous. Bénis-nous. L'église à l'homme. Dirigez service sur la terre. Dans le nom précieux de ton fils Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance des armes et pour l'éternité. Amen. Amen. Jésus la couronne. Oh.
62 dans Haïti chante avec la de lumière. Et c'est mon chanté, moi et mes pile. Je crois que je chante chanté ça souvent. Parce que dans le mot qui a chanté ça, arrivé à traverser chaque monde qui l'a. Christ was there.
Damio, c'est pas tu vas la petit. C'est bon poids pour les deux. Amen. Parce que à chaque fois, ils sont toujours là, ils chantent deux fois par dimanche. Ils couvrent un paquet de vide. Damio, c'est un gros poids. C'est un gros poids dans la balance. Ils ont été en plus. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Amen. On va chanter numéro 82. Je suis le numéro 82 en français, juste après que l'officier va passer devant pour nous recevoir tout le monde avec son nom. Je la main de la sèche humaine, il va prier pour nous offrir. Amen. Juste avant que l'officier. Thank you.
frère d'amour, merci. La crème ta house pour moi. Paix et la paix, bon Dieu avec nous. Amen. Quand nous là, matin ensemble, non seulement pour nous yon nouer l'autre, pour nous partager et amour en Jésus-Christ, mais nous là tout pour nous partager la parole de Dieu. Amen. Et nous capables de chita, pour le présent moment, nous capables de chita. Si on t'a testé niveau de compréhension de l'intelligence, nous t'a venu avec un scénario. On t'a dit nous consacrer si on t'a travaillé pour une compagnie et que la compagnie ça a job ou c'est sorti pour aller dans les champs pour faire travail, mais ou pas autorisé pour conduire machine, tu vas où un chauffeur. Tout le monde passe au bon chauffeur avec vous. Bon, transportation avec chauffeur. Mais voilà que dans le temps de travail, dans le temps de route là, quand on arrive, on met dans le quartier, dans la zone où on va aller, le chauffeur a dit qu'on s'acquitte, travaille ça, on va aller encore. Ou bien pour n'importe quelle autre raison, il dit la quitte ou pour conduire, il va conduire. Il a go là. Mais c'est pas pour vous travailler là. C'est pas où un chauffeur. Ne travaille pas pour vous, ou un boss, ou bien un employeur. Alors, qui sont t'as fait? Quand on est dans le monde qui a fait du travail, qui déjà connaît qui ça t'as fait, parce que vous même ou besoin de travail là, mais mes chauffeurs à la gueule pour qu'on tout, dans le milieu de travail là, dans le milieu de combat. Ça t'as fait. Bon. Par contre, pour vous, moi-même, ça m'a fait. J'ai pris contact avec mes travail là. J'ai pris mes travail là, mes chauffeurs, pour que je puisse aller. C'est responsabilité. Machine qui coûte un peu de l'argent, qui est ici à la côté de Campéa. Donc, il faut qu'on puisse savoir faire pour déplacer les. Et monsieur, c'est certain que mes travail là, débrouiller le bon connaît pour le bon autre chauffeur, pour pouvoir voir à ça au besoin pour le travail. Ou bien pour machine dans ton évin la caillie, ou après ça l'a décidé pour le prendre. Eh bien, moi, je dis ça, c'est pour que je tombe côté de là avec le matin. Pour me dire comme ça que, et les bons dieux confier nous, nous bagaille pour nous faire, quel que soit petit ou grand qui est capable, on peut tâche ou on dit tâche. Alors, on a dit task. When God gives you a task. To complete, to work on, you're not going to kill yourself if you need anything to make it work. Si bon Dieu bon travail pour faire, et pour garder des bagailles qui manquent, c'est pas au plot elle manquait, pour assurer que ce travail pour le faire, que ça qu'on a besoin pour le faire. Donc, nous sommes capables toujours compter sur bon Dieu. Qu'il y a assuré continuité dans le travail qu'il confie à nous. Et nous sommes capables de venir plus directement, par exemple, à l'église. Et quel que soit le nombre de réduit à sa plus simple expression, ce n'est pas travail ou lié, c'est travail bon Dieu, on ne peut pas supposer paniquer. Amen. Les bon Dieu, bon, il y a un bagage pour faire, c'est lui-même qui met ça le bon faire. Et bien, c'est pour toujours dépendre de lui pour aller vers l'avant. Il a toujours assuré que les barres équipements pour besoin, les barres personnels pour besoin, les barres monde pour besoin pour faire que travail la marche. Et avant que nous remontions dans l'histoire biblique, pour nous avoir une expérience qui était faite avec mon Dieu, dans remplacer monde, dans mettre monde qui parle là, qui bon Dieu remplacer. Nous avons eu une petite illustration de un monsieur qui était relé Robert Bruce. Assurément, pile nous entendons parler de Robert Bruce, qui était un roi dans un pays qui formait l'Angleterre, qu'on a, qui était relé la Corse. Écosse. Alors, dans l'anglais, on a dit ça, Scotland. Alors, monsieur, tu as eu un pile ennemi comme roi. Qui t'a boumé contre lui. Et finalement, monsieur est censé
te fait du bataille et pour se courir pour ne pas tuer. Nous sommes entrés dans la caverne. Il went to hide himself in a. Comment il est en anglais encore? Comment il est caverne en anglais? Pour que nous puissions dire officier Roy. Cave, in a cave. So he went to hide himself in a cave. To wash. Même j'avais tout wash, il y a dans la caverne. Cave. C'est dans la cave ça que nous sommes cachés, nous ne pouvons pas le cacher, nous ne pouvons pas venir pour le tuer. Mais pendant que monsieur en dans cave là, monsieur fait une expérience, monsieur regardé nous voyons une araignée. Alors en Haïti on dit au crabe araignée. In English it's a spider. He saw a spider. Spider là, monsieur yo nuit moi là quand là parce que nous pas contre nous sorti, nous gon piscine. Travailler aussi fait fil là, ceux qui boit ici, passer boit ici, dans quelques fois, on a passé tête contre là-dedans. Par contre, comment on fait avec ça? Depuis, je suis allé voir Spider, araignée, qui a tissé des fils, qui a passé des fils. Mais mon cher, Spider a tombé, araignée, il a passé des fils, il a tombé, il reprend encore le passé, il a tombé plusieurs fois. Et puis finalement, il a accompli sa affaire. Il s'est observé. Et puis, il m'a dit, bon, quand ça a ça a permis qu'il m'apprenne pour me parler de la bataille. Il m'a dit, trois réflexions de Bali. Première réflexion de Bali, il dit que il faut que pour son monde qui ait conscience. Ça, c'est pour mes bagailles calculées. Et puisque lui-même, son monde qui a pensé, qui a réfléchi, il a gagné dans la tête, qu'il veut tourner sous pouvoir. Et ensuite, l'autre bagaille qu'il fait, M. Connet, il fait, M. Connet, il faut que M. Connet une détermination. Détermination, ça veut dire qu'il faut résoudre dans la tête, on ne peut pas blaguer, on ne peut pas quitter ça. Et bien, qui est-ce que ça t'instruit pour ça? C'est l'expérience qu'il fait avec. Et Spider avec l'araignée. Et puis, M. Kling, quand il a fait le pays, il a fini de ranger lui pour le rester là jusqu'à ce que M. organise le retourné et le pouvoir. Donc, c'est même bagaille que nous avons dit matin. Parfois, nous avons une détermination dans le bagaille qu'il a fait pour nous connaître que nous voulons aller jusqu'au bout. Mais surtout, nous avons travaillé, bon Dieu, aller jusqu'au bout, nous, il ne va pas dépendre de nous. D'ailleurs, nous sommes bien équipés pour nous aller jusqu'au bout avec bon Dieu. Donc, on nous raconte l'histoire biblique pour nous être capable de voir quelques exemples qui convaincants que bon Dieu est toujours chargé pour être sûr que la continuité de travail est assurée. Nous songeons que après que bon Dieu crée l'univers, il crée le monde, et puis crée l'homme et la femme, Adam et Ève. Et puis le premier petit qui a été Caïn. Et puis Caïn tue Abel. Mais bon Dieu dit Ève avec Adam. Je vais prendre une petite qui de la trempe d'Abel. Ça veut dire que nous avons un pas bon, mais je vais prendre l'autre pour remplacer ça qui est bon, et puis il va aller 7. Nous songeons que Moïse, dans le désert, après 40 ans dans le désert, il vivait là que pour le finir, pour l'aller. Qui ça qui fait? Bon Dieu, de pouvoir à la succession de travail, ça a des luttes, ça a bon Dieu, de mettre Josué pour remplacer Moïse. Les Saül, le premier roi d'Israël, et que Saül n'est pas là encore, on ne pas trouver encore, on a du pouvoir à son remplaçant qui était David. Et bon Dieu, c'est David, le remplaçant qui était Salomon. Nous sommes une histoire d'Élie avec Élisée. Les Élie vivait dans les poulets, on ne pas quitter le peuple à son prophète. Il dit, ma bon, l'autre prophète. Et qui ça, Ibali. Et Ibali, et. Alors, Élie, pardon. Élie, là, il est prêt à aller, bon Dieu, par le remplaçant de la personne d'Élisée. Donc, on y a pour nous venir plus près dans ça que nous avons besoin pour travailler le matin, pour la méditation le matin. Nous prêts à aller dans l'histoire des apôtres. Dans l'apôtre, bon Jésus qui t'a choisi, d'abord, il t'a choisi 12 disciples. Et, c'est qu'il y en a qui t'a fait défection, c'était Judas.
Alors, qui est capable de faire différence entre lui-même avec Jude, Judas Iscariot, c'est lui-même qui délivrait Jésus. Hein. Donc, les Judas finissent vendre Jésus, juste avant la mort de Jésus-Christ, sa crucifixion, Judas tué tête. Donc, il y avait seulement 11 disciples. Alors, on va le dire qui s'est arrivé pour que bon Dieu soit capable de faire choix pour remplacer Judas qui a fait travail ça. Alors, moi, je vais faire ma aller parce que le bon Dieu n'a pas demandé pour le bon 12 disciples, mais il m'est allé. Donc, je vais aller passer une nuit là et puis bon petit chant, la chanter avec nous pour être capable de faire nos songes qui nous ont dit. Alors c'est pas surprise pour l'homme de prendre les nouvelles, mais nous voulons la vie nous. C'est mon qui va prendre les décors. Alors, 12 disciples, ça a été Jésus. Nous autres disons pour ça que tu as besoin d'un remplaçant pour Judas Iscariot qui délivre Jésus. Mais avant de rentrer dans ça, dans le remplaçant, dans le sac ça a fait, nous avons dit pour ça que ce n'est pas seulement les 12 disciples que Jésus a délivré. Il y a plus que 12 disciples. Il y a plus que 12 disciples parce que dans Luc 10, verset 1 à 24, nous avons été envoyés en mission 70 disciples. Ça veut dire que si 70 qui étaient envoyés en mission, 12 ça a autorité avec lui, donc vous avez été gagné plus que 12 disciples. Mais, il a gagné 12 disciples comme disciples qui fait partie de son cercle intime. Les gens qui étaient avec lui dans le travail qu'il a fait, qui étaient près de lui. On a daily basis, people who were with him, those disciples were on his side, by his side. Every single day, les lever. Ils mangeaient ensemble, ils boivaient ensemble, ils dormaient ensemble. Ils étaient connus plus près que l'autre monde qui t'a suivi comme disciple. Et nous avons rejoint ça dans Matthieu 10, verset 1 à 15, Matthieu 6, verset 1 à 13. Côté d'après que Judas te fait partie, lui-même tout, des mouns saïo qui te fait partie de cette intime de Jésus-Christ. Alors, 12 disciples saïo, c'est mouns que Jésus-Christ te formé de façon particulière. Il te préparé, il te entraîné, pour te compte qui ça pour te fait. Pour te compte travail là, parce que Jésus-Christ connaît qu'il t'a pralé et t'a besoin qu'il te odeille. Parce que l'homme pas égoïste, non travail, ou bien moun ki ensemble avec vous, obligé aider moun nan konprann travail la. Mais, en plus, il y a quelques jours, nous avons fait ça. En plus, moun konn mauvais, yon prend pose, yon bien avoy, yon menon moun pou
train comme un nouveau emploi. Au contraire, si un job est apprenant, on fait un nouveau job. Et puis, dès le coup, on a fait un job à vous aller. Mais Jésus-Christ, ce n'est pas ça qu'on fait avec les disciples. Il a besoin de comprendre les aller pour être capable d'accomplir ça, c'est ça nous la grande commission. Puis de continuer avec l'œuvre que bon Dieu t'a gagné, Jésus-Christ t'a gagné pour eux. La grande commission que nous venons qu'il est vraiment expliqué ça dans Matthieu 28, verset 19 à 20, Marc 16, verset 15 à 16, et Luc 24, verset 46 à 48. Donc, ce n'est pas n'importe qui monde qui est capable de gagner bon côté pour ça, parce que c'était une tâche qui était extraordinaire, un bagaille qui était obligé de connaître. C'est ça que fait quelqu'un qui compte dire comme ça que les disciples n'ont pas dans l'école. Son monde dit ça, son erreur qu'on fait. Ils ont passé 3 ans avec Jésus-Christ, dans séminaire avec Jésus-Christ. Ils instruisent pratiquement, théoriquement, ils ont tout ça qu'ils ont besoin pour être capable de faire le travail, d'aller pas là. Alors, Luc, il y a un monde qui écrit, qui fait nous comprendre ce qui est passé dans le livre, dans l'évangile selon Luc et avec Luc dans les livres Actes des Apôtres. Et il y a des gens qui toujours pensaient que Luc était un disciple. Luc n'était pas fait partie des 12 disciples de Jésus-Christ. Et ni Luc, pas même, il jouit. Il n'est pas juif parce que les 12 disciples ont tous ces juifs. Mais Luc, pas un juif, c'était, il y a même des gens qui pensaient son Syrien qui était, que il n'est pas un juif. Ni il n'est pas un apôtre, non plus tout. Parce qu'il y a une différence entre être un disciple et être un apôtre. On est capable de interchanger de manière interchangée. Mais cependant, Jésus-Christ a choisi les 12 apôtres qui étaient venus faire, les 12 disciples qui étaient venus faire tourner apôtres, parce que c'est eux-mêmes qui ont été confiés le travail de la commission. C'est à eux-mêmes qui ont été confiés le travail. Ça. Un apôtre, c'est un envoyé, c'est un missionnaire. Donc, nous parlons avec l'histoire, après et la venue du Saint-Esprit, que chaque chrétien est devenu un envoyé, un apôtre, un missionnaire pour mon Dieu. Et quand plus de monde qui pense qu'on est à quelques dénominations, ils disent qu'on a mis un grade, qu'on a pris un grade d'apôtre. Pas que ça, mais la Bible n'a pas montré que après que Jésus-Christ ait choisi ces 12 apôtres qui représentent notamment les 12 tribus d'Israël, que nous pas ouais côté encore que on a continué par mon grade apôtre parce que Jésus-Christ lui-même il était un apôtre. Jésus-Christ est considéré comme un envoyé, comme un missionnaire, il était un apôtre tout. Et qui fait que nous-mêmes tout si nous croyons dans Jésus-Christ, nous croyons dans la parole lui, nous devenons apôtres, missionnaires pour nous propager l'évangile. Donc Luc c'est lui-même qui fait nous comprendre toute histoire que nous allons parler là un peu plus tard. Donc, c'est un monde qui écrit des 4 évangiles et Luc, plus long que tout l'autre 3 évangiles. Et puis, c'est lui-même tout qui écrit livre Actes des Apôtres. Donc, après Jésus-Christ fut ressuscité, non seulement avant sa mort, il était bâillé les 12 comme responsabilité pour évangéliser le monde, pour porter la parole. Tout d'abord, Jérusalem, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais après qu'il est ressuscité, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8 à 9, nous voyons que Jésus-Christ retournait 12 apôtres, que responsabilité aussi pour prêcher l'évangile de la Samarie, de Jérusalem, tout d'abord, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais, remarquez que nous avons chanté tout à l'heure, il y a 12 disciples. Mais Judas a trahi Jésus juste avant sa mort, après la mort de Jésus, et c'est seulement 11 disciples qui sont venus. Et à cause du suicide de Judas, que si nous avons lu peut-être pardon, nous avons lu dans Actes des Apôtres, et chapitre 1er, du verset 8 au verset 9, nous avons écouté que Luc parlait de ça. Mais puisque c'est 11 qui étaient hérités, c'est un monde qui était manqué. Judas n'est pas là. D'ici, vous n'êtes pas confortable pour continuer de travailler là, vous-même, 11 ans, parce qu'il y a un monde qui est manqué. C'est pour ça que nous avons dit, dans Matthieu 27, 7, 3, 5, et dans Actes
1, verset 13, nous sommes capables de voir faire référence de Judas qui bat là. Donc il fallait nécessairement que Judas te remplace, c'est mon monde qui peut remplacer Judas. Pas oublier quelque chose que nous retrouvons dans l'histoire, comment bon Dieu toujours pouvoir au besoin les gagner au monde pour remplacer l'autre monde. Donc il n'est pas différent dans le cas Judas. Parce qu'il a besoin de remplacer pour travailler à la continuité. Donc, nous allons lire dans Acte, verset Acte 1er, nous allons lire à partir du verset 12. Vous pouvez lire avec moi. Acte 1er à partir du verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, c'est-à-dire les disciples, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Alors, nous avons l'autre nom de la chambre haute, le Sénat, C-E-N-A-C-L-E. Ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous de commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. » qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme a acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Hakela, Hakeldama, c'est-à-dire le chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et que l'autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. Donc, qui ça nous est là dans la lecture là, en résumé, c'est que disciples, les regardés où est que ces onze yo, ils vont vite parmi eux, ils ont fait ça pour faire, dans la personne de Pierre qui a pris le leadership, dans le côté de notre pilote tout d'abord, qui est verset 15 à 22. Et bien, nous voyons Pierre, non seulement pour le leadership notre disciple, parce que ce n'est pas seulement nous qui avons gagné, nous avons environ 120, mais nous parlons dans la Bible, côté il dit que Pierre était un pape, mais cependant, nous voyons Pierre ton leader. Et c'est ça qui fait que Jésus-Christ a demandé Pierre en plusieurs reprises, en trois fois. Est-ce qu'on aurait même dit oui? Est-ce qu'on aurait même dit oui? Et puis il a dit, paix de lui. Donc ça veut dire que Pierre a une charge comme leadership parmi les disciples. Il a fait la bonne décision, il a levé campé. Il a dit qu'il faut qu'il soit remplacé pour Matthias. Et pour Judas, de la personne de Matthias, il a dit joindre. Mais cependant, Pierre est allé dans la ville tout. Pour te convaincre l'autre que ça t'a fait assez de nouveaux bagages. Parce qu'il t'a cité tout d'abord le psaume 69, verset 26. Il t'a cité encore le psaume 109, verset 8, côté de te parler, prophétie qui est déjà faite contre Judas
et qui s'est fait les Judas qui fin quitter les disciples. Donc Pierre a fait ça et a remplacé Judas. Et ma boue trouve que non seulement ça, il y avait des exigences qui étaient faites pour que le monde ne vienne pas à bout. Et ce n'est pas tout le monde qui pense à ça, ça supposé. Il fallait que le monde sache au monde qui connaît Jésus de son vivant. Ok? Dans le requirement, dans l'exigence obligatoire qui est gagnée, il faut que le monde connaît Jésus, il était vivant. Le monde était vivant avec lui, il était témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Et plutôt, après la résurrection de Jésus-Christ, Paul était où il est. Il fallait tout que le monde sache vivre l'ascension de Jésus-Christ. Alors, elle nous dit ascension, ça veut dire la montée de Jésus au ciel. Qui ne va pas confondre avec assomption que l'Église catholique relève pour la montée de Marie au ciel. Il n'y a pas rien dans la Bible qui justifie ça. Alors, ils font distinction entre l'assomption de Marie et l'ascension de Jésus-Christ vers le ciel. Ok. So, choix Mathias là, c'était pour Marie qui était fait un tirage au sort. Mais, après que pendant que les disciples étaient dans la chambre haute, c'est là que je t'ai prié, jeûné, prié, prié. Pas oublier que Jésus-Christ est monté, il est dit pour ça que nous avons été offrir, nous avons prié pour nous le consolateur. Il dit que Dieu m'a prié pour nous le consolateur de la personne du Saint-Esprit. Alors, d'après les études que vous faites, l'histoire de Jésus révélée, il y a eu 10 jours entre l'ascension de Jésus-Christ et la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Mais avant ça, il paraît que les disciples étaient très inquiétés du fait qu'ils avaient besoin de remplacer pour Judas et ils ont fait ça juste avant l'arrivée de la venue du Consolateur et du Saint-Esprit. Parce que ils étaient un peu paniqués, ils étaient un peu. Parce que Jésus-Christ n'a pas parlé d'une date limite, un time frame, when the Holy Spirit would come. Il s'est demandé Dieu l'a voulu consolateur pour eux. Donc, ils n'ont pas connu combien de temps ça t'a pris. Et voilà qu'ils ont besoin de remplacer pour Judas. Donc, Pierre était pour le leadership et il était bien la Bible qui était supportée, ça t'a fait. Donc, il était fait le tirage au sort. Mais le tirage au sort, c'était un bagage qui était biblique, c'était une pratique biblique. Que nous jouons qui fait, qui répétait 16 fois en tout dans la Bible, dans le Nouveau, l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais l'histoire que nous avons qui est plus marquante, c'est Jonas 1, verset 7. Dans le tirage au sort que nous songeons, les Jonas étaient refusés d'aller à Ninive, ils étaient allés à Cassie, et qu'au milieu du voyage, ils avaient un pile problème dans la mer. Et monsieur, ils font un tirage au sort pour dire qui est qui te cause problème ça, et le sort était tombé sur Jonas. Et Jonas était avoué qu'il était à fuir la face de Dieu. Donc, mais, et tout ça que nous allons lire la Bible, le Nouveau Testament, après tirage au sort, ça a été fait pour Matthias, qui est élu en place de Judas. Nous ne pouvons pas dire fait tirage au sort encore, parce que ça ne termine pas à la mode encore, ne termine pas fait ça encore. Mais cependant, c'est ça qui était fait, et c'est le bagage qui était judicieux, le bagage qui était accepté. Donc, pour que les disciples, tout d'abord, avaient été fait ça, ont été recours à la prière, comme nous dit, ouais. Et puis, Matthias s'est désigné. C'est pas comme ça qu'on s'est retiré, on a prié, et puis on a cherché, ouais, qui s'est dit, bon Dieu, tu voulais vous faire avec ça. Donc, on a aimé, pour nous entrer dans le vif du sujet, on a aimé appliquer l'histoire ça à l'église du matin, à l'église de la lettre. Nous avons dit comme ça que l'eau est monde absent, ou bien monde dans la congrégation, ou bien monde dans le travail. Si j'aime des scénario que le travail là pas fait, pas un chauffeur qui pourrait le mettre travail là, on dit mais ça passe. C'est même j'ai envie avec l'église. L'église pas pour nous. Travail de l'église, c'est pas travail non lié, c'est travail de Dieu. C'est pour bon Dieu lié. Ou pas paniquer pour finir perdre la tête ou parce que au cas où ça va aller dans le sens que tu planifié. Non, je veux espérer. Ce n'est pas ça où est lié. Ce n'est pas travail ou c'est travail pour Dieu. C'est le responsable. Même Jean-Paul, là, pas bien chauffeur.
où il met le travail là, où il met ça qui passe. C'est même Jean-Laure où l'église parle dans le sens côté inspiré, dans le sens côté planifié. C'est bon Dieu pour y mettre ça, parce que c'est pour lui travailler là. Il y a plusieurs raisons qui font que le monde capable absent. Judas il s'est suicidé, il s'est suicidé peut-être. Parce que il était gagné au mort. Il s'alte fait avec ce qu'on va être fait, mais au lieu de répentir, il était pénitent, c'est tuer le tuer tête. Et bien, il y a plusieurs raisons qui font que le monde est absent par nous. La mort, par exemple. Bon, quand nous demandons de pardonner les vies, et pour garder un pile, nous mourir dans l'église, il pas là. Grâce à Dieu. Depuis que je suis là, si on fait ma fête, je peux assister ou non. Ça fait passer réel par une raison pour l'autre. Et je suis là. Alors, comme il est trop simple, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Même si j'essaie depuis le début, un an là, pour augmenter mon fait officiellement dans l'église. Ok? Et il y a toutes ces maladies qui font que je suis l'église. By the way, je suis là, je suis là, je l'église. C'est mon l'église, il a toujours été mon l'église. C'est malade qui t'aime. Maman, madame, moi, c'est déjà connu ce qui est. Job, c'est lui qui est parti à l'albaï, mon salat, c'est la caille. C'est pas parce que nous n'avons pas mis l'église là encore, nous n'avons pas malade. Il est dans le signe, on est au côté de la caille. Ça ne veut pas dire pas mon l'église, il n'a pas fait partie de l'église encore. Donc, supposer suivre le côté de l'église pour nous communier avec lui. Parce que c'est malade qui fait le malade avec lui. Si c'est mourir, mourir, pas là, mais si c'est maladie, maladie, là, on va calaguer. Et puis, il y a des gens qui sont déplacés pour des raisons qui, indépendamment, n'ont pas de contrôle de ça. Travail, on doit déplacer là en Californie, on ne peut pas arriver là encore. Ou bien, madame, déplacer là de l'autre côté, il ne peut pas aller encore. Et puis, on va faire tout. Mabdou, parce que Israël, on ne peut pas faire ça. L'autre, on dit, nous avons une belle fille dans l'église, non? Et puis, messieurs, sont autres qui vont rejoindre nous. Nous, trois cafés de l'eau. Parce que depuis que vous prenez avec eux, vous les dévoilez dans l'église avec eux. Donc, on tire à l'évine, ils sont qui fait dans l'église comme ça. Parce que si vous avez un conjoint qui est dans notre église, vous ne pouvez pas arrêter pour lui faire l'église. Là, il faut partir avec le conjoint pour aller de l'autre côté. Oui. Donc, des pasteurs ont entendu, ils ont fait mariage avec nous, mais il faut nous quitter là, aller pour aller de l'autre côté. Il faut qu'on entende qui fait. Soit Maria, je veux madame, madame, je veux Maria, parce qu'il n'y a pas 40 pieds de haut, il y a tout des vacances, il y a une église différente. Donc, ça veut dire que le monde comme ça, il fait qu'il n'y a pas dans l'église là encore. Mais cependant, bon, l'autre cas qui fait qu'il y a une absence qui crée, dans le même genre avec le cas Judas, c'est là que l'homme choisit volontairement pour aller. Et si tout le monde choisit volontairement pour l'aller, est-ce que c'est responsabilité pour vous pour l'aller? Ou pas qu'à demander pour qui doit aller? Vous avez la liberté pour l'aller. Et quand ça compte un petit grave là, vous ne savez pas volontairement l'aller, et puis là, vous ne pouvez pas trouver si l'aller à Omezi, autant de monde que possible qu'il garde. Alors, papa, une petite histoire. Il y a trois petits neveux qui l'ont gagné. Et il y a trois qui ont. Deuxième, non, je sais que nous avons calé les nègres avant de caler là. J'étais un petit nègre là pour ne pas avoir l'idée pour caler mon calo avant. Et puis, monsieur, parce que c'est le deuxième petit, mais c'est le plus deux. Alors, nous avons une piscine là, là, les ovines, ouais, non. Papa m'a regardé. Papa m'a dit, qu'on soit, ouais, 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 là. Quand deuxième, non, s'il plonge dans la piscine, l'autre toit, même si on va condamner, on va condamner, il a plongé derrière. Vous comprenez? C'est l'idée de depuis plonger l'autre côté sous lit, il plonge d'elle. Tout ça, il n'y a pas de cadavre, si vous allez mourir, parce qu'il plonge dans la piscine, il plonge d'elle. Alors, ça compte fait que, il y a des gens qui tellement ont une position dans le côté où il y a, dans l'église côté où il y a, et puis ils ont décidé de ne pas aller encore, et puis un pile de gens choisit de suivre ça. Mais si ça t'a fait, vous connaissez qu'on ne peut pas paniquer pour ça parce que ce n'est pas travail ou travailler, c'est pour bon Dieu lié, même avec le chauffeur. Il n'y a pas de chauffeur à quitter la machine volontairement, il lag dans le temps de route là. Et puis c'est relé pour le travail là, pour avoir notre chauffeur par là. Eh bien, c'est ce qu'on va faire vous-même. Nous regardons où est-ce que vous avez monté dans l'église ensemble avec vous, vous avez monté quand vous venez l'église ensemble avec vous, vous choisissez pour le parler encore, et bien qui sont prêts à faire, vous parlez pour dire bon Dieu, ou dire bon Dieu, que vous avez été ensemble avec moi. Il était assisté dans l'école du dimanche, il était assisté dans tel bagage, il était connu jouer musique, il est allé, pour prendre pour le voir en place. Est-ce qu'on avait? Amen. Donc, en plus, le monde découragé,
le fait que ça arrive. Non, vous n'avez pas besoin de décourager. Regardez qui ça Pierre qui fait. Pierre te prend leadership avec l'autre 10 disciples. Il te make sure qu'il rejoigne le monde pour te remplacer Matthias. Il t'a dans la prière, il cherche la volonté de Dieu. Bon Dieu te parle au Matthias. Parce que c'est Dieu qui te gagne basse à basse avec Matthias. Mais le sort était jeté sur Matthias, c'est lui-même qui peut remplacer l'autre là. Et Judas. Bon Dieu. Dédie-nous ça dans le message déjà. En 325, dans la deuxième conférence ou bien concile de Nicée, Constantin Ier lui demandait théologien pour te trancher entre Arius et Athanase. Parce que Athanase te dit comme ça que Jésus-Christ, c'est petit bon Dieu, c'est bon Dieu lui. Arius te dit non, Jésus-Christ n'est pas dans le niveau bon Dieu. Il n'est pas que bon Dieu, il n'est pas Dieu. Et puis ça vient de traiter un problème dans le temps chrétien. Alors, Constantin Ier, il convoquait au synode, il convoquait une conférence, et puis il choisit des théologiens pour trancher. Les théologiens ont tranché que c'était Athanase qui avait raison. Parce que là où mettez tout le texte de la Bible ensemble, là où étudiez bien, vous voyez que Jésus-Christ est bon Dieu. Pourquoi ça l'autre négatif qu'il fait, Arius? Je dis, au lieu qu'elle d'accord pour soumettre à résultat ça, je dis pas d'accord que Jésus-Christ est Dieu. Et puis il mettait dehors. Et puis il y a des gens qui suivent lui. Donc pensez qu'elle était pensée à que Jésus-Christ n'est pas bon Dieu vrai. Et puis comme ça, quand il y a deux groupes de monde. Yon te pense Jésus-Christ c'est bon Dieu. Yon te pense Jésus-Christ. Ça veut dire que on toujours qu'à jouer ça. Et je dis à nous-mêmes, pour qu'on ait qui branche nous fait, nous fait branche Athanase là, qui te dit que Jésus-Christ c'est bon Dieu. C'est lui qui suivre qu'on est là. En ville, mon roi 22, qui dit que Jésus-Christ pas bon Dieu, ça veut dire que style qui est ça que Arius te dit. Donc, nous voulons dire pour ça que matin, hein, c'est pour amener du courage, c'est pour amener de détermination pour aller jusqu'au bout. Même l'autre, c'est vous-même seul qui mettez. Si vous convaincu de côté à ses alliés, soit fait à ses alliés, vous arrivez là pour vous. Dès que vous passez les hommes, nous sommes comme servis ensemble et dans même l'église. C'était un monde qui a pris l'expérience. Il dit, pasteur Elis, même si tout le monde allait, même si ça a pas l'homme qui m'a prêté l'église. Même si tout le monde quitte l'église, même si c'est pas l'homme qui m'a prêté, pour quoi nous m'a prêté. Donc ça veut dire que si vous convaincu ou déterminé, ou comprendre que ça que vous avez fait, c'est mon Dieu qui m'a donné pour faire lui, même là que vous avez fait pour ça, ça t'arrive, vous ne pas blaguer. Alors, il faut toujours reposer nos sous mon Dieu pour nous connaître qu'il a pouvoir à ça que nous besoin pour continuer de travailler. La Bible dit comme ça que ça t'est arrivé avec mon Dieu, avec Abraham. Et d'après le texte, c'est avec lui que nous allons terminer. Dans Genèse chapitre 22, verset 6 à 14, la Bible dit nous comme ça que mon Dieu t'a besoin d'éprouver la foi d'Abraham. Abraham t'a une seule petite qui était Isaac, c'était l'enfant de la promesse. Une seule petite ça qu'elle a gagné, qu'elle a fait dans la force de l'âge, et même avec madame. Et bon Dieu dit à Abraham, pour qu'on s'active, nous besoin pour bon Isaac en sacrifice. Et d'après les théologiens, les historiens de la Bible, ils ont dit que Isaac était environ 12 ans. Et papa dit Isaac, on a parlé de voyage. Et puis ils ont dérapé, ils ont parti jusqu'à ce qu'ils arrivent sur le mont, la montagne de. Dans Morija, nous sommes sur la montagne de Morija. Alors, forme de montagne Morija, ça, c'est là que Salomon a construit le premier temple de Jérusalem. C'est là qu'il a construit comme ça. Alors, pendant que ils sont allés au marché, là où ils sont sur maintenant, papa Abraham m'a agréé petit garçon en bas code. Les petits garçons sont intelligents, ils comprennent ça parce qu'ils ne voient pas aller pour le sacrifice, ils ne voient pas aller pour le sacrifice. Ils disent, bon papa, à part moi qui fais l'hymne,
préparer tout sacrifice. Monsieur qui est le suspect, c'est lui. Moi, dit Félix, mais je ne pas de mouton, je ne pas rien. Côté bête, on va nous faire sacrifice là. Papa a dit, nous avons sacré. Je dis, pourquoi? Je ne vais pas exactement verset A. Pendant que nous avons chercher référence là. Verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel, il rangea le bois, il lia son fils Isaac, il le mit sur l'autel. Par-dessus le bois, puis Abraham étendit la main et puis le couteau pour le gorge. Alors, on t'a dit que avant ça, pour nous montrer une inquiétude petite là, on t'a dit verset qui vient avant. Hein? Et il dit que verset 6, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 7, alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac répondit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Et pour qu'on ait un récit histoire, alors il dit, on apprend que pendant que Abraham levait le couteau pour la sacrifier petite là, et puis c'est comme ça que 11 ans paraît qu'il stoppe. Et puis Abraham tendait mouton, il tendait et bête l'holocauste à brûlé. Donc ça veut dire que c'est depuis longtemps, longtemps que mon Dieu toujours qu'à pouvoir à ça qui paraît impossible pour nous. Même l'autre a gardé ouais que ou notre travail que mon Dieu confie ou gardé ouais au-delà des capacités ou. C'est pour faire avec fidélité et qui te reste dans mes bon Dieu. Nous faisons des expériences dans l'église Philadelphie. Expériences qui me partagent ensemble avec nous, qui me vivent avec nous. Parce que je dis nous la fois dernière, dimanche passé, que depuis 2014, nous avons prêché dans l'église à chaque troisième dimanche du mois. Donc il est vrai que nous ne pouvons pas assister à la réunion membre nous, nous ne pouvons pas assister à la réunion d'affaires nous. Mais cependant, nous avons vu là, nous avons fait expérience, nous avons vu l'église à payer, nous avons vu les gens qui étaient là, nous avons vu les gens qui étaient là à chanter. Et après, nous avons vu tourner dans ce temps pandémique, en plus de figure, en plus de gens qui étaient là, qui n'ont pas vu. Il y a un peu de gens qui découragent pour ça, qui sont à la caillou par l'église. Quand on a un téléphone, nous attendons, quand on est en présence nous là matin, je vous dis que nous passons la vie, mon Dieu, pour les gens. Nous servons mon Dieu parce que c'est une obligation qui fait à nous-mêmes, même Jean était fait aux disciples, que nous sommes des envoyés, nous sommes des missionnaires de Dieu. Malheur à nous si nous ne faisons pas travailler mon Dieu. Amen. Malheur à nous t'arrêter chez ta matinée pour nous pas venir à l'église sous prétexte que nous décourager parce que l'autre monde fait nous décourager. Nous ne pas servir mon Dieu pour le monde. Amen. Que le monde occupe des affaires par nous, par lui que nous occupons nous, des affaires par nous. La chose est dans la Bible, lorsque Jésus-Christ est parlé avec les disciples de Jean, et puis Pierre vient poser une question, il dit, mais Jean parle là. Il a dit que Pierre et Jean sont mon cas, qui ne peuvent pas mourir, il est sorti là. Il dit, mon cher, occupez-vous affaire pas où. Affaire pas Jean, c'est pas Jean, mais affaire pas où, c'est pas où. Donc, nous, chacun nous avons condition par nous avec mon Dieu. Qui ça que mon Dieu bon pour faire pour lui? Qui sont sentis que mon Dieu est lourd pour faire pour lui? Qui ça que mon Dieu confie pour faire pour lui? Même si c'est offrande là pour faire, même si c'est musique là pour jouer, faites fidèlement, connaît que si vous pas là, faut son l'autre monde qui vous remplacer. Donc, si vous conduisez le boss là, vous levez le matin, vous ne parlez personne, vous ne conduisez le boss là. Et puis, pas de monde connaît, qui ça qui a privé? Le boss là va conduire. Si je viens pour venir prêcher le matin, je ne vais pas passer Israël, je ne vais pas venir, je ne vais pas dire mes amis, et puis les filles là, regardez, pas ouais, il n'est pas belle. Même dans la relation humaine, il n'est pas bon. Donc, si mon Dieu bon au travail pour faire, il faut faire bien. Dans les gens qui pour mon Dieu dit, bon fidèle serviteur, tu travailles bien, mais récompense qu'il est pour vous. Amen. Écoutez, même nous, nous bagaille. Et pas de travail que l'homme bon nous-mêmes qui avons bon travail pour nous, pour y attendre nous le matin pour nous aller à 9h ou bien à 8h, et puis nous étions dans route pour ne pas dire rien. Parce que moi-même, je connais un peu le monde qui est évoqué pour ça. Notre travail qui est évoqué pour ça, parce que le travail, moi, c'est représenter le monde. Devant cette tête-là, les gens qui ont besoin d'un employé, je représente pour me faire, pour me gommer pour eux.
Mais il y a des fois, moun n'a pas de moyens pour combattre pour lui. Parce que sous malade ou pas qu'elle travaille. Il fallait qu'on côté le travail là, dit moins malade, ou pas qu'elle vini. Sous prend pas de machine dans la route. Faut relé ou dit qu'on s'abte dans la route, n'a pas vini, ou pas qu'elle vini. Pas vrai? Donc, moun n'a pensé que son bagaille. Moi même si elle job papa ou l'idée, ou pas qu'elle fait ça. Allez ou elle pas pour vous. Donc, si vous arrivez dans la route, ou campé, ou pas relé, dit qu'on pas vini. Donc, la sanction contre vous, il a prévoqué parce que son monde qui parle reliable. You are not responsible. You should have called and let them know that we have difficulties. Ok, c'est même j'ai avec le travail, mon Dieu compte sur vous, l'église compte sur vous, ou bon responsabilité, et puis pour être comme ça, pour faire négligence avec la guerre, vous allez combattre dans le bon Dieu. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce que vous avez droit à faire, fidèle vous avez droit à faire. Nous tous, bon Dieu, qui est nous à même niveau, les réglementés nous à même niveau, dépend du travail. La Bible dit, si mon Dieu va en pile, il attend plus de vous, pas vrai? S'il va petit, il attend petit de vous. Donc, ce sont nous qui ont une responsabilité, il attend en pile de vous. Mais si tu sors un petit bagage tout petit qui est lié, il faut que vous capable de connaître que c'est responsabilité ou gagner et que devant mon Dieu, ça c'est responsabilité qu'il va avoir. Donc, frères et sœurs, maintenant, je fais nous connaître que même si nous dans l'histoire, comme un bon Dieu toujours pouvoir au remplaçant, de ça qui parle là, pas comprendre dit que personne dans nous n'est indispensable au travail de Dieu. Pas de monde qui est indispensable au travail de Dieu. Ou craser le gars qui quitte ça pour mon Dieu, mettez l'autre monde en place. Judas craser le gars qui quitte ça pour mon Dieu, mettez Mathias en place. Donc si vous comprenez que vous faites mon souffrir pour dire que ça qui c'est vous-même qui a fait tel bagaille, si vous ne pas faire le bagaille qui se crase, faites tête ou à tromper. Bon Dieu, combien de monde qui l'attend pour déjà venir en place? Nous ne pouvons pas qu'il y a sauté. Il y a une loi, bon Dieu, pour nous donner un complet comme une loi pour nous venir pour remplacer. Alors, si vous parlez mal et ça arrive, faites travailler bien avec mon Dieu. Comptez sous puissance mon Dieu. Mais pas qu'on ait dit que vous avez fait nous souffrir, vous avez fait nous souffrir, vous avez craser, vous avez quitté ça. Et puis, pour essayer de faire des choses là. Vous avez saisi. Vous avez fait des places, vous avez fait pas trop clôt, vous avez fait des machines. Et puis, l'on a regardé, au lieu qu'on essaie d'être dans la café, c'est monté qu'à monter plus beau. Frère et soeur, bon Dieu, qu'on fasse ce qu'il servit avec petit oui. L'église, ce n'est pas pour l'homme lié. Au monde qui comprend l'église, c'est pour le monde lié, ou tromper tête. Disciples, ils comprennent ça. Ils ont compris que la grande commission, c'était un bagage qui était obligatoire pour être fait, qui était pris les pas nécessaires pour que ils remplacent Mathias. Et maintenant, on n'a pas fait des croix que pour bon Dieu, vous remplacer. On nous était fidèles dans le travail, on nous comptait sur lui, on nous mettait coude à coude pour nous être dans la communion ensemble, pour nous aller vers l'avant, parce que le jour où il y a plus difficile, mais nous pas loin pour délivrance d'arriver. Mais c'est pour nous confier, nous, dans mon Dieu, croire en lui, garder. Je vais dire ça, Martin, on va garder quand il est. Mais là, nous sommes dans la pandémie, quand nous sommes là, il va sortir là. Donc ça veut dire qui nous dit qu'on dit ça, qu'on dit caché pour nous. Nous ne pouvons pas connaître, nous ne pouvons pas décourager, c'est pour nous être avec la foi, c'est pour nous dire fidèlement et récompense nous la grâce. Que bon Dieu bénisse. Nous remercions le Seigneur pour la façon dont il utilisait ses rituels pour délivrer un vibrant message. Chacun de nous, membres de l'Église Baptiste Philadelphie, nous pouvons aller à la caillou pour capable de penser à la parole bon Dieu que vous détendez. Mais non seulement ça, nous sûrs et certains, ou capables de retourner, ou tendre des messages là, et prier pour le staff média que nous gagnons dans l'église. Malgré nous, nous ne sommes pas voyons là, mais nous avons travaillé. Et ou capables de visiter l'église là, sur Facebook et sur YouTube. Et avec ça, ou capables de retourner ce vibrant message. Ça fait moins fait ça. Ce Israël fait ça.
et je crois qu'il y a d'autres monde qui fait. Au lieu que vous-même vous capable de penser, peut-être ou pas, concentrer assez, mais vous capable d'aller dans ce maintenant, capable de retenir des messages encore pour la gloire de Dieu. Nous sommes contents. Nous avons avec nous des amis et visiteurs qui sont jusque du côté de Boston. Nous avons M. Antoine Vieux et la sœur Jeanne. Donc nous avons demandé au campé, nous sommes capables. Et nous avons, si ça n'a pas loin de nous, nous avons le mic pour dire, nous, si ça va déranger, nous sommes capables de dire, puisque nous tendons du côté de Boston, et nous consolons, nous ne connaissons si jamais nous sommes capables de faire, nous connaissons qui monde qui invite, peut-être nous semblons des problèmes de téléphone et mic, et nous attendons, s'il vous plaît, M. Antoine. Sont capables de nous qui est-ce qui est invité au matin. Moi, comprendre, ou dire c'est l'Éternel, mais m'a obligé de poser une question encore. Est-ce que l'Éternel va adresser là, ou du moins comment? Parce que même si c'est l'Éternel, même si c'est certain, somehow, portez une adresse là. Nous avons parlé de mon église que nous avons cherché sur Facebook ou Google. Mais ça veut dire une route qui a passé. Mais comme pour le message là, je n'ai pas besoin d'une église rouge, une église rouge. C'est l'église que je veux faire. Si vous n'avez pas besoin de l'éternel, pourquoi vous avez une invitation à elle? Et l'homme qui ne veut pas l'église, pas pour l'église. Amen. 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 Merci bien. Nous remercions, que bon Dieu bénisse. Et nous avons votre contact. Et Sœur Jeanne, nous connaissons, c'est ensemble. Oui, c'est madame. C'est madame. Donc ça, c'est comme Kababoué, c'est frère et sœur. Donc que bon Dieu bénisse nous. Et nous contents d'être que nous ensemble avec nous et nous sommes toujours capables de faire un contact parce que nous avons un coordonné. Que bon Dieu bénisse. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Que bon Dieu bénisse tout. Merci. J'ai une bagaille que moi répété souvent. Moi, je dis lui et m'a répété lui encore. Songez, building n'a pas prêché l'évangile. Building n'a pas prêché. Mais building nous permet que vous tendez l'évangile et avec ça, vous acceptez le Seigneur comme ça. Parce que soit passé dans la zone, vraiment, il n'y a pas à connaître la chèche au début, même si vous avez mais pas bon adresse. Donc avec ça, c'est certain, mais oui, mais là, nous travaillons d'arrache-pied pour que nous créions la maison de notre Seigneur en forme pour que là où on a passé, vous êtes capable de dire, yes, ça c'est nous. Nous avons des amis. Nous avons la sœur Chimène et Destin. Famille, ça a que nous gagnons. Nous sortis dans le nord. Et seulement, ils ont viré. Et avec ça, toujours dit, ce n'est pas personne qui débalade le reste de l'église ici. C'est le Seigneur. Et nous, que le Seigneur mène, pas que nous sommes capables de passer. Et nous, c'est ça. Et ça fait nous dire au matin, ce vibre message, nous, moi-même, c'est devoir pour me tendre. Et moi, je dis bon Dieu merci pour vous-même, pasteur de Rano. Que bon Dieu bénisse. Et moi, je dis sincèrement, oui. Le Seigneur connaît. Pasteur Jonas, nous comptons. Que bon Dieu ensemble avec nous, chacun de nous, et nous tendez avec ce message que nous sommes tendez, pour qu'on n'a pas le travail d'arrache-pied, pour que nous soyons capables d'inviter d'autres personnes. Pasteur de Rano, le premier message que nous, il t'a prêché l'église. Il t'a dit nous tirer ça. Tirer ça, mais qu'on n'y a pas de parler de tirer ça. On va pas parler de tirer ça. Amen. Amen. Maintenant, nous disons merci à notre bien-aimé frère, Kamwa, qui est du service. Et Koulia, vous allez rentrer
dans le service de la Sainte Seine. Mais nous allons demander à la famille Saint-Martin. Ils sont capables de passer à l'Chita, sous banc, sous chaise devant, à droite de l'église. À moins des familles, pour passer là, pour aller à l'Chita. À moins des familles, sont capables de passer. Nous voulons dire le Seigneur merci. Appelez toute famille là. Yes. Sit down. Amen. Yes. Famille, ce matin, amen. Matin, d'une façon spéciale, on voulait dire le Seigneur merci. C'est que songez de voir nous, comme dit déjà pasteur, nous seulement aller dans la prière et le Seigneur lui-même va faire travailler pour nous. C'est lui-même qui connaît comment la voyer parmi nous-mêmes d'autres personnes qui étant sauvées. Parce que l'Église est composée de monde qui sauvés. L'Église n'est pas de monde qui va sauver. Vous dites l'Église. Donc ça veut dire que les gens qui l'a, c'est les gens qui acceptent le Seigneur, c'est les gens qui sont sauvés. Donc le Seigneur ajoutait chaque jour parmi les chrétiens ceux qui étaient sauvés. Maintenant, nous avons trois d'entre eux qui sont membres de l'Église. Mais nous faisons pour juste présenter à eux-mêmes la famille. Mais une bagaille qui est important, c'est que nous sommes capables de rendre compte, depuis arrivée famille ça à l'église, il y a la sœur d'Ashley ce matin, m'a demandé le camper. D'Ashley, depuis entrer l'église, et avec son frère Woodney ce matin, c'est un homme, depuis entrer l'église, Yoshita, il a gardé un petit monde qui a parlé, qui a fait bruit l'église. And after service, she came to me, she said, Pastor, it's a wasting time for the children. They don't learn nothing. Can I go somewhere else and keep them, teach them, et montrer eux la parole? Amen. On ne peut pas comprendre. Nous avons nous gagné ça longtemps. C'est le message délivré par le pasteur. Et ça, c'est que pas de ça, pas de ça pour nous faire. Et depuis lors, depuis arrivé, après un dimanche, ils ont parlé ensemble avec les enfants pour qu'ils aient suivre. Et j'ai ma dernière fille, Kyra. Où est Kyra? 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 Come here, Kyra. Come here, Kyra. Kyra, c'est la plus petite. Come here. Elle arrive là, Kyla. She sing, la chante cantique que Dashley enseigne dans la classe des enfants. Elle a chanté, elle a montré le chant que Dashley montre dans l'école classe avec Timounio. Donc, même qui est Timounio, il sait que nous dit Dashley, thank you so much for the job. And your brother, thank you so much. And you can say that. May the Lord be with you. You may be seated. Thank you. Et c'est ça, pasteur de l'annonce, dit. Le Seigneur envoie lui-même, ouvrier, dans le travail là. Nous avons very little one. Et si vous allez au travail avec vous. Merci. Mais maintenant, matin, nous venons pour nous présenter à vous-même, famille ça. Frère François, qui est membre baptisé. C'est le père de la famille. Donc, nous avons trois membres baptisés
Et ici dans l'église, là, les membres de l'église, ceux qui sont baptisés déjà, rentrés dans la famille de l'église, et nous disent, nombre de membres de l'église Philadelphia, nous en grand nombre. Et le Seigneur augmente pour nous. Amen. Et nous disons, nous ne pouvons pas prendre où là, nous devons faire travail nous déjà. Nous passons des et des heures de temps ensemble avec la famille pour que nous soyons capables de montrer dans la congrégation qui gens doivent comporter. Qui monde que rentrer dans la congrégation, c'est le monde qui sauve. Et je vais vous tâcher parce que fort souvent, nous rentrons dans l'église parce que nous sommes pasteurs, nous sommes des chèvres, nous rentrons. Nous aimons les gens parler, nous aimons les gens l'homme. Parce qu'il y a un homme, hein? Par contre, nous avons piqué ou pas. C'est pour suivre moi avant d'entrer au vide, accepter. Parce qu'au capable là, et avec sa pita, nous avons l'homme qui est amer. Mais moi, je suis allé parler ensemble avec eux. Et avec ça, ils ont accepté pour faire aux membres de l'église. Et vous remarquez un bagage. Vous pouvez même présenter l'église pour capable comment vous êtes fort dans les activités de l'église. Parce que vous ne pouvez pas empêcher. Parce que ça, vous venez dans l'église. Donc avec ça, vous ne pouvez pas empêcher. Vous connaissez ça, c'est belle. Vous venez là en contact avec un fameux pasteur. Pasteur qui vous a dit. Et vous recommandez. Il dit, yes, vous m'avez accepté. Parce que mais comment vous êtes connu dans l'église quand vous êtes servi. Et nous voulons demander dans ce moment ça au diable de l'église et au pasteur de la Nord, qui est capable de passer par devant, puisque le gamin a été nommé. Pendant ce temps, moi là, je vais demander. S'il n'y a que deux diacres qui vont passer à côté de pasteur de la Nord. Et avec ça seulement, pendant ce temps moi-même, on va débuter le service. Et les diacres capables de servir, capables de délivrer le pasteur de la Nord comme pire milieu. Après, vous voyez ça que la parole de Dieu dit non. Avant même que nous rentrions dans ce service de communion, nous devons apprendre que faut-il que nous ayons la communion avec Dieu avant même que nous soyons capables de rentrer dans ce service. La Bible dit dans l'Ancien Testament, Dieu a ordonné à Moïse pour ériger un temple. Cela veut dire un tabernacle. Et dans le tabernacle, ça, mon Dieu était capable de présenter là-dedans. Moïse était voulu construire dans le tabernacle, ça, un lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, il a dû placer ça que nous relais, un propitiatoire. Propitiatoire, c'était un or que nous avons. Il était doué entrer là-dedans une fois par an. Il était doué asperger du sang expiatoire. Après ça, nous jouons dans le livre de Lévitique, chapitre 16, le verset 14 et le verset 15. Bon Dieu te dit à peuple, en parlant de ce propitiatoire aspergé du sang, il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi.
plein d'une propitiatoire. Bon Dieu était capable de rencontrer Israël dans la personne du souverain sacrificateur. Au trône de la grâce. Parce que le sang expiatoire que te promette pour l'accepter, il était aspergé propitiatoire en sa faveur. Et c'était ce sang qui t'a ouvert ça que nous relais. Chemin qui t'a capable de permettre pour le peuple de rencontrer avec mon Dieu. Dieu saint et avec le homme qui péche. Et à la croix, Dieu était consenti pour rencontrer toute âme qui t'a venu placer la foi dans le sang versé de son fils Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Et c'est peut-être ça que nous joignons dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 11. Du verset 17 jusqu'au verset 29. Mais nous ne pouvons pas faire lecture. Tout simplement, je voulais répéter les paroles prononcées par Jésus-Christ lui-même en disant, parlant de son sang qui t'a versé sur le bois du calvaire et ça qui t'a mis communion entre nous-mêmes avec son Père. Jésus dit, ceci est mon corps, parlant du pain. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Le verset 24. Et c'est ainsi, après avoir prié, il prit la coupe et dit Jésus encore. Au verset 25 du livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Sachant, mes frères et sœurs, que nous en relation, en communion avec le Seigneur, donc, vous êtes capable en mesure pour communier ensemble avec nous. Des gens qui ne peuvent pas comprendre ça que nous avons fait là, mais vous n'êtes pas capable de communier matin si vous n'avez pas de relation avec mon Dieu. Et si vous n'avez pas de relation avec mon Dieu, vous n'êtes pas capable de relation avec vos frères. Et matin, c'est bien dommage, après nous finir le temps de la parole de Dieu, qu'il y a un pile dans nous qui t'a dit. Est-ce que nous avons une relation pour nous communier? Et une fois, peut-être, nous sommes capables de dire, « Oh, je ne suis pas capable parce que moi, j'ai un tel qui m'a bien ensemble avec moi. Moi, j'ai un tel qui m'a abandonné. Moi, j'ai un tel qui était dans une relation avec moi, mais pas dans une relation avec moi. » Soyez bien. Si jamais, ce n'est pas vous qui causez un problème de cette division, vous êtes en paix. Parce que le Seigneur, il connaît tout. Puis vous avez peut-être un jugement à cause de votre monde. Soyez sûr qu'on a une relation avec mon Dieu. Oubliez, le Seigneur connaît le cœur, il connaît dans qui est accueilli ensemble avec. Il connaît son fou avec lui, si vous parlez. Parce que la parole de Dieu dit tout ça, il a dit Seigneur, Seigneur, mais tous n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et maintenant, nous prenons communion ensemble, mais nous prenons demander à vous-même qui visitez nous, si jamais vous n'avez pas gagné un problème pour connaître que vous êtes capable de manger ensemble avec nous, nous ne pas empêcher de faire ça, parce que vous êtes en communion avec mon Dieu. Donc, pour qui ça, vous n'avez pas faire. Songez nous dire libre, ou libre, et avec ça, on est capable de faire ça. Mais on connaît le pasteur de l'Église, dans ma personne, il
descendra moi-même pour servir les nouveaux affiliés ensemble avec nous. Nous pas demander pour que nous gagnions les officiers de l'Église à faire ça. Nous voulons épargner nous de tout contact de COVID-19. Nous connaissons ça. Donc avec ça seulement, dans ma personne, en lieu en place, que les officiers de l'Église toujours à faire ça, votre pasteur prendra la liberté pour vous servir ce matin en guise de notre affiliation avec nous comme membre de cette congrégation. Et avec ça, nous allons prier et je demanderai à Pasteur de la Nord de prier pour nous pour que moi-même, moi capable de descendre pour me servir vous-même en tant que membre de l'Église qui affilie ensemble avec nous. Pas oublier, nous dire déjà. Pasteur Israël, tu as fait travailler ça. Moi, je suis chité ensemble avec nos fils de l'Église. Moi, parler ensemble avec eux. Et moi, je suis tâché déjà. Responsabilité dans l'Église. Et maintenant, matin, nous dit, nous les recevons comme nouveaux membres de l'Église Baptiste Philadelphie, publiquement. Avec nous-mêmes maintenant, Pasteur de la Nord de la prière. Ça va pas nous qui dans ce ciel-là. À l'instar des disciples qui étaient réunis ensemble de la chambre haute, qui t'a prié, qui t'attend la venue du Consolateur, de la personne du Saint-Esprit, et entre temps, ils t'ont vivre dans la communion de la fraction du pain. La Bible nous dit que chaque jour, ils étaient ensemble et ils t'ont communié ensemble. Pour le Seigneur, que la religion déjà dit ça. Comment nous sommes capables de dire que nous aimons nous-mêmes, que nous ne sommes pas vrais? Nous sommes capables d'aimer ça qui va pour nous et que nous ne pas montrer que nous aimons. Et maintenant, matin, Seigneur, nous sommes capables de réellement sentir nous bien et que léger et que nous sommes capables de sentir que nous avons cette relation horizontale avec vous. Et cette relation verticale avec nos frères, nos prochains, nous sommes capables de réellement nous faire communion avec nous. Nous avons béni Seigneur pour le moment que nous passons ensemble. C'est un moment symbolique. Ce n'est pas copieux que nous allons prendre, mais c'est tout simplement nous besoin de montrer symboliquement que nous sommes en communion l'un avec l'autre. Que nous tous, Seigneur, nous faisons un fils ensemble, nous marions ensemble, alors que nous avons le regard nous fixer vers nous-mêmes. Parce que sans communion avec vous, nous ne sommes pas capables de communion avec l'autre. Et nous ne sommes pas capables non plus de communion avec l'autre, si nous ne sommes pas capables de communion avec vous. Nous avons béni le moment que nous passé ensemble le matin. Hein? Et c'est le moment de réflexion dans le cœur de chacun de nous. Et ça que nous allons faire, nous capables de. Moi, Seigneur, pour nous faire examination de nous-mêmes. C'est que nous cherchons à connaître pour nous. Merci pour ça, on fait pour nous déjà. Si on va faire encore, il recevra ça même. Pour les prions, nous avons tous les côtés de nous. Nous voulons que Jésus, à lui, soit la gloire au Seigneur des siècles. Amen. Donc, maintenant, nous demandons à nous-mêmes qui nous sommes, si nous avons une communion ensemble avec nous, capable de camper pour l'hier. Si c'est au prêt pour manger, vous mettez campé dans le moment ça. Nous mettez nous camper les membres de l'Église qui vont communier. Nous allons chanter en lieu en place, le numéro 54, dans le moment ça. Donc, à la croix où nous mon sauveur. Donc, ouais, à la croix où nous mon sauveur. Donc, frère, à moi, ouais, je prends place ici.
prendre ce repas. Pour ne pas oublier, vous êtes capable seulement. Ceci en mémoire de moi, vivons ensemble en mémoire du sang versé de Jésus sur la croix. Seigneur, bénis ton peuple et merci pour le privilège de nous avoir demandé ensemble. Nous sentis présence au milieu de nous et permets, Seigneur, que nous sommes capables de représenter partout côté nous passer, qui sont capables de voir nous que nous sommes tes serviteurs et tes servants. Que nous comme ça, dans la foi, dans la communion, et comme ça, la fraternité est capable de régner au milieu de nous, dès à présent et pour l'éternité. Amen. Pendant ce temps que nous avons recueilli les verres, pas oublier, songez, nous avons des jeunes, si jamais nous t'avons baptisé, nous mettons seulement fait pasteur, connaît ça. Si jamais vous voulez plonger dans les eaux du baptême, nous capables de remarquer, nous avons des jeunes. On a gagné les enfants de ce Jean-Jean. Depuis bien longtemps, moi connais ces jeunes, ils ont été baptisés. Mais nous avons des jeunes qui peut-être pourquoi prendre une décision pour plonger dans les eaux du baptême. Si vous êtes des gens qui convertis déjà, donc vous suivez certains, vous devez baptiser. Nous avons dit à Pasteur Jonas pour le capable de venir à Reclaim for you. Even my sister, my daughter told me I don't have to do that. On a demandé à Pasteur Jonas capable de venir pour capable de terminer le service. Et tandis que serviteur, Pasteur Israël, moi gagné pour me joindre moi devant pour me capable de saluer. Pas oublier la jeunesse, pour capable de rester ensemble avec la sœur Chédry. Et nous suivons certains, et puis le jeune nous a prêté des services pour la jeunesse. Et c'est bien bagaille. Ils ont arrangé, ils n'ont pas voulu aller à la caillou pour retourner encore. Et nous avons des jeunes adultes. Nous avons Madame Roy, officier Roy. Nous avons le frère. Le frère Oscar. Pas oublier, même le Coco. Joignez-nous ensemble avec nous l'église. Nous avons les enfants de frère Martin, nous mettons quitter, nous sommes certains, jeunes, ils ont arrêté l'église là, et nous connaissons les chefs, et m'assurer, nous ne pouvons pas pleurer, quitter Timon, ils ont grand. Donc même si ce n'est pas tout le temps qu'ils ont fait, mais nous avons dit l'heure qu'il y a, nous espérons qu'ils ont mangé, parce qu'ils n'ont pas assisté, ils ont arrêté quitter eux. Pour que vous capable de servir dans ce moment ça. C'est un bon moment que nous avons passé ensemble dans la maison du Seigneur. Et en nous aller à la caille, réviser les messages que nous entendons. Pas oublier. Et c'est un booster que l'il y a pour moi. Et encore en famille, ce matin, pas oublier. Now, you have the same right with everybody in this church.
songez sa pasteur Sodino. Et nous disons merci. Et nous disons merci à Fred Arélus. Et c'est bien le message. Quand je cherche l'autre pour l'inviter, ou parler de l'église. Et je vous dis, voilà une famille que vous-même vous menez dans Philadelphie. Chacun de nous, on fait ça pour la gloire de Dieu. Merci. Pourquoi nous vous séparons? Parce que après un message de ce genre, only one thing we can, only one thing you have to say, marions. Et après, parce que nous avons terminé. Jusqu'à ce qu'il va faire apparition pour le venir chercher. Que mon Dieu bénisse nous et passez une très bonne journée. Amen.